Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tu me crois, ça fait au moins 10 minutes que je fais cette introduction. Je n'arrive plus à faire d'intro. On dirait ça sonne faux. Quand je fais salut tout le monde, c'est pas moi quoi. C'est pas moi. Là, je veux parler. Je sais pas qu'est-ce qui. J'arrive pas. J'arrive plus. Quand j'écoute, tu sais, les vidéos que je vous poste, je me dis c'est pas moi. Bon, ma voix, c'est moi, mais quand je fais salut tout le monde, comment t'allez-vous? Je sais pas, on dirait que j'ai une voix aiguë, quoi. Bon, ça va? Ça va, tu vas bien? La béchouia, alhamdoulillah, moi ça va, Allah bin shukur, tout le monde va bien, c'est les vacances. Et je me suis dit, il faut que je vous fasse une vidéo, car j'ai demandé des produits avec la plateforme Octoly et j'ai encore pas fait de vidéo et ça me stressait. Je me suis dit, allez belle ma, prends la caméra. J'ai laissé les enfants en bas avec Clara et Gabriel. Donc Léna et Maëlys sont en bas, je suis tranquille. Je vous raconte ma vie, mais je sais pas quoi dire. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, on fait comme ça, on est à la maison. Bon, ça va, vous allez bien? Alors, la dernière fois, j'ai voulu. Ouais, regardez même pas l'état de mes cheveux. Donc si t'as raté l'épisode, je me coupe les cheveux. Je te mettrai le lien. En barre d'infos et la petite photo là. Donc comment mes cheveux vont-ils? Est-ce que je me suis habituée? Ouais, ça va, ça va. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas coupé mes cheveux aussi courts que je me suis dit pourquoi j'ai coupé aussi court. J'ai un peu regretté, mais c'est pas grave. Là au moins, même pour laver mes cheveux en 2-2, je perds moins mes cheveux car je prends la vitamine et du magnésium. Donc là, ça va un peu mieux. Ma repousse de racines, laisse tomber, ça pousse super vite, mashallah. Je ne ferai pas de coloration pour l'instant. C'est pour ça que je vais cacher comme ça ma petite repousse. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait couleur claire pour qu'on ne voit pas trop mes cheveux gris. On me pose la question, Belma, est-ce que tu vas colorer tes cheveux en dessous? Oui, peut-être. La dernière fois, j'avais pas le temps. J'ai passé presque 3-4 heures à faire mes cheveux. Donc, la flemme de faire les mèches juste en dessous. Et juste après, je vais te montrer la vidéo de Clara. Elle m'a dit, maman, s'il te plaît, tu peux me lisser les cheveux car on doit aller, tu sais, il y a anniversaire et tout. Je veux être glow up. Moi aussi, j'ai fait, ok, il n'y a pas de souci, on va filmer en même temps et en même temps montrer aux abonnés, les copines, un petit update. Car la dernière fois, j'avais coupé les cheveux de Clara le 21 mars 2021 et j'avais eu plein de commentaires, ouais, faut pas couper les cheveux, ça c'est pas patati patata, mais juste pour info, les cheveux ça repousse, il faut les couper les filles. Si vous coupez pas, franchement vous n'avez pas une très très bonne repousse. Pour ça d'ailleurs j'ai coupé aussi mes cheveux hein, pour avoir une très bonne repousse. Vous allez voir les cheveux de Clara, machin, ils ont bien poussé. Clara, maintenant, elle est grande, hein, je ne lave plus ses cheveux, elle les lave toute seule. Moi avant je devais les laver car on galérait à laver ses cheveux. Là c'est vrai, depuis j'ai coupé vraiment court. Elle a une très bonne repousse et cheveux naturels bouclés. Bon, Clara est née avec les cheveux frisés bouclés étant petite. Et après, au fur et à mesure, ses boucles ils se sont détendues. Et là, tu as vu, c'est la mode. Hein. Tout le monde fait ça, scrunchy, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et du coup, Clara elle a vu toutes ces vidéos. Et maintenant, elle fait elle-même ses boucles naturellement avec des produits. Donc, la prochaine fois, elle vous montrera tout ça en vidéo. Ah oui, aussi, merci beaucoup pour tous les commentaires de Maëlys sur sa dernière vidéo. Donc, au nom de Maëlys et de la maman, Belle Mouche la Mouche, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. J'ai lu aussi que Maëlys, elle avait beaucoup de cheveux. Mais en fait, non, ils sont pas épais. Les cheveux de Maëlys, ils sont très, très fins. Ouais, fin et frisé en fait. Par contre, Clara, ils sont très épais, machallah. Clara, elle tient de moi l'épaisseur de cheveux, mais Léna, non, Maëlys tient du papa. Mon mari aussi, il a les cheveux fins et bouclés. Mais bon, là, ils sont courts, on ne voit pas, mais s'il les laissait longs, ben, on voyait que c'était bien bouclé. Donc, Maëlys tient du papa. Et Clara, côté cheveux, elle tient de moi. Bon, bref, j'ai fait une introduction très très longue. Bon, j'espère que ça va. Moi, je l'ai dit 3 fois. Bon, avec Octoly, la plateforme Octoly. Maintenant, c'est Skyper. Je regarde tout à l'heure. Skipper. Yeah. Avant, c'était Octoly. Maintenant, c'est Skipper. En fait, c'est une plateforme pour les influenceurs. Tu demandes, tu postules pour tester un produit. Après, ils acceptent ou pas. Donc, moi, j'ai été acceptée avec. La marque Aven, j'ai demandé le Xeracal apaise les peaux surgées aux démangeaisons et à l'eczéma. Donc, j'ai reçu 3 produits. Donc, le produit premier, la boîte, c'est celui-ci. C'est un 200 ml, c'est pour les adultes et les enfants. Donc, c'est une bombe relipidant,
anti-irritant, apaise les sensations de démangeaison, peau très sèche à tendance atopique ou surjette aux démangeaisons. D'accord, appliquer une à deux fois par jour sur les zones sèches du visage et ou du corps préalablement nettoyé. Donc moi, je voudrais le tester parce que moi j'ai beaucoup d'eczéma derrière les oreilles. Limite quand je mets du noir, il neige, mais c'est ma peau en fait qui s'enlève. Quand je mets mon manteau noir, oh, les pellicules que j'ai derrière là, laisse tomber. Même là, j'ai beau laver mes cheveux et tout, mais ma peau là, laisse tomber quoi. Donc normalement, il ne faut pas mettre sur le cuir chevelu, je mettrai vraiment sur la nuque et derrière mes oreilles et au corps aussi parce que j'ai la peau très très sèche, surtout sur mes cicatrices, je ne te raconte pas. Mais moi sur Avent, la marque Avent, j'utilise la crème cicatrisante. Moi j'ai eu 3 césariennes, donc je suis obligée de bien hydrater là-bas, laisse tomber sur la cicatrice. Mais il est bien, regarde, c'est avec une pompe. Hop. Tu vois là c'est mou, c'est la crème, tu vois, normale. Mais le système il est super bon. Hop. Voilà. Donc je l'ai déjà testé, c'est pour ça que la crème est sortie très vite. Mais au début, il faut que tu appuies 5 ou 6 fois. Après la crème sort. Pas d'odeur. C'est ça qui est bien. Super pratique. Donc ça reste à côté de mon lit, même pour les jambes et tout. Laisse tomber en hiver. Après, j'ai eu aussi une autre crème. C'est un 50 ml, c'est toujours zone sèche, surjette ou démangeaison intense. Xéra calme, AD, concentré, apaisant. Stérile cosmétique, visage, corps, paupières, zone localisée, nourrissant, enfant, adulte. Franchement, ça aussi, c'est à tester, mais je pense que c'est plus Clara qui testera dans sa chambre. Enfin, je mettrai dans sa chambre qu'elle puisse le tester avec Léna s'ils ont besoin de crème. Et j'ai reçu une huile. C'est une huile lavante. En fait, c'est pas un gel douche, mais c'est une huile. Donc, c'est 100 ml. Pas d'odeur, ça ne mousse pas. Je l'ai testé sur ma main tout à l'heure pour voir. Comme ça, je pouvais vous dire ce que j'en pensais par rapport à l'application. Mais ça a testé. Je vais voir si j'ai des résultats ou pas. Donc là, je vous ai montré les produits, mais je reviendrai bien sûr quelques jours, quelques semaines après pour vous dire si c'est bien ou pas. Mais la marque Avent, franchement, c'est une très très bonne marque. Ça fait des années que je l'utilise, donc j'ai rien à leur dire. Pour l'instant, j'ai pas été déçue de leurs produits, mais là, vu que c'est nouveau, je les ai pas testés. J'avais très très envie. Donc merci beaucoup à la marque Avent de m'avoir envoyé ces produits. Ensuite, toujours avec la plateforme Octoly. J'ai demandé la Glossy Box, bah du coup c'est celui du mois d'octobre, hein. Glossy Box France, c'est ouais, octobre, les étoiles d'édition. Voilà, donc vous avez deux sortes de boîtes. Moi j'ai reçu la verte, tu as aussi la rose. C'est une rose ça, je sais pas. Donc la première boîte coûte 12 €. Ok, ah j'ai un code promo, c'est Ciel. Et donc du coup elle sera à 12 €. Cool. Donc j'aime bien parce que quand tu reçois la boîte, regarde, c'est marqué Glossy Box. Je l'ai reçu avec colis privé. Et à l'intérieur j'ai reçu de la publicité. Voilà. Ensuite HelloFresh. Jusqu'à 90 € de réduction avec HelloFresh. Et ça c'est quoi? 12,90 My Muesli. Donc ils sont partenaires avec Glossy Box, je pense. C'est de la pub. Donc je l'ai déjà ouvert parce que voilà quoi. J'étais tellement curieuse. Comme d'hab. Hein. Mais t'as vu la boîte, elle est trop belle. Clara, elle la veut. Donc je donnerai à Clara. J'ai déjà fait tomber. Donc je l'ai refermée bien sûr. Donc comme ça, je vous montre comment est l'ouverture. Donc là, t'as le petit nœud. Hop, là, t'as vu le petit scotch Glossy Box. Voilà. Scannez-moi, lisez le magazine Glossy de ce mois-ci avec nos tout derniers conseils produits tendance. Ouais, cool. Alors, premièrement, j'ai reçu un masque pour les yeux. Jasmine Scented Self Warning Steam Eyes Mask. En fait, c'est pour les yeux. Un masque pour les yeux. Donc, c'est de la marque Steamy. Si tu connais,
Avant, il y avait, tu sais, les prix à côté. Là, j'ai pas vu les prix à côté. Donc, ça, c'est à tester. Et de la marque Hello Body. Waouh, rose. En plus, quand j'ai vu cette boîte, j'avais pas capté c'était Hello Body. Mais ça date Hello Body, hein. En fait, c'est un masque au charbon. En fait, il clarifie. Ce rose refine. Au charbon actif et à l'argile purifie les pores. Trop bien. Moi qui ai les pores dilatés ici. Ça, c'est trop trop bien. Waouh. Mais franchement, ça date ces produits. Le packaging qu'il a changé de Hello Body. Avant, c'était pas comme ça. Donc, il est super bien fermé. Voilà, mais ça a testé. Ah oui, il est vraiment scintillant. Je sais pas si on le voit. Tu vois, on dirait il y a des paillettes. Couleur caméléon. Ensuite, alors ça, je connais cette marque. C'est Capé Smoothing Body Lotion. Lotion corporelle, les cendres anti-rugosité. C'est la marque, comment ça s'appelle? First and Beauty. Voilà, tu peux retrouver cette marque chez Sephora. C'est pas donné en plus ce produit. Bon, après, c'est. Je pense que c'est un échantillon. Hein? Je sais pas. Mais il faut appliquer sur une surface propre. Ah, oui. Hein. Attends, c'est un gommage ou quoi? On dirait que c'est un gommage. Attends, fais voir. Non, c'est pas un gommage. Une petite odeur de crème. Ouais. Ça a testé. Hein. Ah, c'est une lotion corporelle pour le marque corps. Polar. Donc ça, tout le monde doit connaître aussi. Nuit polaire, crème revitalisante aux algues boréales. Tout ça aussi, c'est un petit ml, 120 ml. Alors, nuit après nuit, la peau est plus lisse et rechargée en oxygène. Et dernier produit, alors ça, The Balm. C'est à l'ancienne, ça aussi. Tu vois. Liquide lipstick, rouge à lèvres, liquide longue durée. Donc, c'est pas un non-transfert parce que je l'ai testé sur ma main. Je voulais voir si il s'enlevait ou pas. Oui, il s'enlève. Mais la couleur, franchement, ça, c'est la couleur que j'utilise. Voilà. Il est vraiment crémeux. Voilà. Par contre, vous avez de la pigmentation. C'est pour ça qu'ils disent que ça reste longtemps sur les lèvres. Mais si tu manges quelque chose, bah, il est parti. Mais ça sent. C'est mentholé. C'est bizarre. Ça sent une odeur de rouge à lèvres plus un arrière-goût de menthe. Quand tu respires bien, ouais, ça sent un peu la menthe. Mais, donc là, j'ai laissé sécher. Ça va faire 2-3 minutes. C'est un non-transfert, mais quand même, ça. Ouais, tu manges, ça va partir, mais quand même, malgré que ça part, ça résiste bien sur la peau. C'est pas comme celui-ci que j'ai, même si je mange, ben ça part pas. Mais celui-ci, on va dire, c'est un semi-permanent. Enfin, quand j'ai semi-permanent, c'est pas comme les semi-permanents qui restent bien. Lui, c'est un Et dernier semi de produit que semi. j'ai reçu, Donc, ça, c'est avec Ivancy, la plateforme Ivancy. Donc, je sais pas si vous connaissez. La marque Rose Gold Paris. Voilà. Alors, donc là, c'est une box. C'est des sérums à tester tous les jours pendant un mois. Donc, je te montre. Il en manque un car c'est Clara qui l'utilise pour ses ongles. Donc, le premier. Donc, le premier, c'est un sérum. C'est un produit pour les cheveux. Donc, là, j'ai la pipette. Voilà. Et tous les soirs. Donc je te montre, je viens appliquer sur mes racines, mais surtout devant, où j'ai perdu le plus de cheveux. Purée, j'en ai mis sur ma paupière. Et après, je viens masser. Par contre, ça, je le fais tous les soirs. Bon, là, ce soir, je ne le ferai pas parce que je le fais devant vous. Et après, je pars dormir, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça, peut-être, je ne sais pas si ma repousse est due à ça. Car j'ai une très très bonne repousse pour l'instant, donc bon, après je prends de la vitamine aussi, tu vois, donc ça doit jouer. Mais en ce moment je teste ça. Ensuite le deuxième,
Donc tu as le petit carnet. J'ai pas. Tu vas me dire comment tu sais, Belma. Voilà, c'est écrit là. Le premier, c'est le sérum pour les cheveux. Donc, le deuxième, c'est un sérum pour les cils. De toute façon, on voit bien que c'est un sérum pour les cils. Regarde. Tu as le petit pinceau. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais le soir quand je suis. Hello, hello. Quand je suis démaquillée, je viens appliquer sur mes cils. Ensuite, troisième produit, c'est pour les sourcils. Voilà, voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment une repousse sur les sourcils. Donc je teste. On verra bien. Mais moi, mes sourcils ne poussent plus en dessous et devant. Tu vois. Pour les lèvres, c'est celui-ci. Voilà, c'est tous les soirs aussi. Ou sinon, si je ne mets pas de rouge à lèvres la journée, je mets ça. Donc, tu vas me dire, il fait quoi pour la bouche? Je vais te dire ça. Attends. Enfin, pour les lèvres. C'est le sérum, hein, c'est vous obtiendrez enfin des lèvres plus volumineuses, plus sexy et mieux hydratées. Vous permettant de retrouver le plaisir de vous mettre du rouge à lèvres. Obtenez des lèvres glamour comme vous en avez jamais rêvé. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu des grosses lèvres, mais bon. Par contre, dedans, vous avez de l'acide hyaluronique et le beurre de karité agit sur l'élasticité, la forme de l'hydratation des lèvres. Donc, pour les ongles, comme je vous l'ai dit, c'est Clara qui l'utilise. Ils disent la solution pour toutes celles qui souhaitent redonner vie à leurs ongles fragilisés par le vernis, les manucures à répétition et les faux ongles. Et dernier produit, c'est un sérum anti-cerne. Donc là, on voit bien que je l'ai bien utilisé. Et ça aussi, je l'utilise le soir. Par contre, il est super frais. Si tu vois que le produit ne sort pas, tu mélanges bien. Parce qu'au début, ça, franchement, ça sortait pas. Et voilà, tous les soirs, je fais ça. Même la journée. Par contre, ça, j'ai remarqué qu'il y avait une petite différence. Moi, je suis pas vraiment cernée. Mais ça lisse. Ça m'a vraiment lissé en dessous. C'est bizarre. Ça, par contre, je l'ai remarqué. Attends, il fait quoi, lui? Te dis en fait il réveille le contour de vos yeux et atténue les cernes. Vous n'avez plus pouvoir vous passer de sa fraîcheur et de son effet tenseur. Ok, par contre vous avez le petit agenda tous les jours, tu coches. Moi je ne coche pas parce que vu qu'il est à côté de ma commode, ben, directement j'utilise les produits. Vous avez même des messages sur par mail. Il te demande si tu as bien utilisé tes produits, qu'est-ce que tu en penses, patati patata. Donc là, ça fait presque 2 semaines que je l'utilise tous les jours. Voilà, je l'ai reçu il y a 3 semaines, il me semble, ce produit. Au début, je me suis dit, je vais attendre, je vais d'abord vous faire la vidéo. Mais je me suis dit, vas-y, la mère commence à utiliser. Pour l'instant, j'ai pas vraiment vu énormément de résultats. Je sais pas, peut-être les cheveux et côté anti-cerne, peut-être une petite différence. Les lèvres, les cils, les sourcils, pour l'instant, non, parce que, voilà, c'est pas flagrant non plus. Bon, après, je reviendrai, je vous dirai si j'ai vu une différence ou pas. Bon, on verra bien. Donc, merci beaucoup à i26, la plateforme i26 et Rose Gold de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse tester et donner mon avis en vidéo, si c'est bien ou pas. Mais je reviendrai pour vous dire si c'est bien ou pas, parce que là, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas pour l'instant, parce que je n'ai pas vraiment de résultats. Je n'ai pas vraiment de résultats. J'ai coupé au montage, laisse tomber. Bon, bref. Bon, allez, c'est parti pour le lissage de Mademoiselle Clara. Je vous mets toutes les photos avant et après. Clara s'est lissée, enfin, s'est démêlée les cheveux. Je lui ai dit de brosser ses cheveux, comme ça on ne galère pas en vidéo. Donc, à gauche, le 23 mars 2021, les cheveux étaient mouillés. Après, je les ai lissés, je les ai coupés. Donc, tu as vu, en 1 an et demi, mashallah. Prends un schéma, hein, ça va. Hein. Par contre, on n'utilise pas de vitamines, de produits miracles ou quoi. Franchement, non. Non, je pense pas. Elle n'a pas pris de vitamines, Clara. Non, non, non. Donc, voilà, oui, Clara, elle a des mèches. C'est une ado. Elle a fait quelques mèches. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Mais bon, je ne l'ai pas fait sur toute la tête. J'ai mis du produit protecteur juste avant. Et comme d'habitude, j'utilise mon Steam Pot. Ça fait avec le Steam Pot que je peux avoir ce résultat. Bon, avant que vous me disiez, ouais, c'est super jaune, sa mèche. En fait, une fois par mois, on prend ce produit de la marque 200.
et on l'applique sur ses mèches blondes et ça fait un blond polaire. Donc la prochaine vidéo vous montrera ça donne quoi, mais il est très très bien. Je l'ai acheté ça chez Leclerc, promo Leclerc. Ouais. Franchement pas mal, on l'a utilisé pendant les vacances à la mer et honnêtement là c'est jaune pipi, après il va devenir tout comme un Dialight en fait. Et Clara confirme qu'elle a beaucoup aimé. Oui, j'en ai pas fait un ce mois-ci, donc c'est pour ça qu'il est jaune. Ouais. Et tout ça, c'est depuis... On a fait quand les mèches? La première fois ou la Non, quand j'ai repris là. Au mois d'août. Non, au mois d'août, on était en vacances. Au mois de juillet. Ouais. En juillet, j'ai repris des mèches. Regarde là. Mon demi-doigt. Oh, ça va, elle la repousse. Elle est bien. Ah oui, et puis ce produit-là. Jacques, Franck Provo. Si tu en mets par terre, bah, tu glisses. Laisse tomber, donc fais attention. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un tapis en dessous. Et j'en mets vraiment... Je mets ma main en dessous pour que le produit ne tombe pas par terre. Car combien de fois on est tombé, laisse tomber quoi. Hop. Oui, quand je dis on est tombé, on a glissé quoi. Donc fais très très attention. Ou sinon, quand tu utilises ce produit, juste après, nettoie bien par terre. Parce que Léna, la pauvre, combien de fois elle est tombée. Et limite, j'ai caché ce produit pour que Clara ne l'utilise pas. Parce qu'elle l'utilisait tout le temps et laisse tomber, même sur le parquet. Hein. Bon, bref. Bon, allez, c'est parti. Comme d'habitude, j'utilise mon Steampot, je disais. Et pour les mèches, par contre, la prochaine fois, quand je vais reprendre la mèche, je reprends toujours la même mèche. Mais je décolore que la racine, en fait. Et après, ben, j'utilise le produit que je vous ai montré juste avant. Bon, sinon, pour les shampoings de Clara, avant, on utilisait du shampoing sans sulfate, mais franchement, on utilise même du Head & Shoulders aussi parce qu'elle a des pellicules. Ou sinon, on utilise... là, t'inquiète pas, j'ai fait un ralenti. La fumée qui sort, là, t'inquiète pas, ça crame pas, c'est mon Steampot, j'ai mis de l'eau. C'est pour ça qu'il y a de la fumée, c'est pour ça que je préfère te préciser. Comme ça, tu ne m'écris pas des commentaires de ouf. Mais t'es obligé de mettre de l'eau dans mon Steampot. Et puis, avec le produit aussi que j'ai mis juste avant, le produit qui protège bien les cheveux, eh bien, ça fait de la fumée, c'est normal. Oui, dans mes vidéos, je dois me justifier parce que, laisse tomber, des fois, je lis des commentaires, voilà quoi. Donc, voici déjà le premier résultat. Là, avec la lumière LED, c'est pas sa vraie couleur naturelle, mais tu verras à la fin. Clara, elle a les cheveux châtain clair. En plus, on a fait la veille le lissage et le lendemain, on a juste refait une petite retouche. Oui, je disais, Clara utilise plusieurs shampoings, avant et sans sulfate. On n'a plus refait de lissage brésilien parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait retrouver ses boucles naturelles. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai coupé ses cheveux, du coup, il n'y avait plus les anciens lissages brésiliens. De toute façon, j'en ai fait que deux et j'en ai pas refait. Mais elle voulait vraiment faire elle-même ses petites boucles, donc j'ai laissé faire. Hein. Elle a regardé sur internet et tout comment faire, mais franchement, ça fait bien, j'aime bien. Donc là j'ai mis accéléré, c'est pour ça que ça va super vite, mais sinon je mets 20 minutes pour faire son lissage. Par contre on ne fait pas tout le temps de lissage, là c'était dans l'année on a dû faire 3 fois. Elle a fait pour la photo de classe, pour cette fois-ci et avant d'aller en vacances. Sinon on ne fait pas de lissage tout le temps. Avant d'aller en vacances, non c'était quand? À la rentrée des classes en septembre je lui ai coupé la mèche de devant, elle voulait... couper les cheveux, j'ai dit non, écoute, on va couper que les mèches de devant, on va faire la frange rideau, entre guillemets, et comme ça, pour la photo de classe, ça te fera un petit style, quoi, tu vois ce que je veux dire, mais franchement, j'ai coupé en 2 secondes, et ça faisait super bien, ça change complètement quand on coupe les cheveux, surtout les mèches de devant, hein. Mais sinon, derrière, je n'ai pas coupé, regarde la longueur, c'est pareil, hein. Je n'ai pas effilé les cheveux, j'ai pas fait de dégradé, rien du tout, sauf les mèches de devant. Mais ça fait bien. Donc, tu as vu, à chaque fois, je mets le produit, hein, vraiment, pour bien protéger les cheveux. Hein. Voilà, tu as vu les mèches de devant, là. Donc, devant, j'ai fait 3 mèches, mèches de couleur. 3 à droite, 3 à gauche. Donc, le devant, mèche rideau, ça donne ça, avec le Steampot, vite fait et bien fait. Et voilà.
C'est magnifique, n'est-ce pas? T'as vu? Franchement, le Steampot, tu peux faire plein de choses. Hein, même les boucles et tout, nickel. Même avec le 2 et le 3. Hein. Steampot 1, 2, 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Ça change. Donc, voici le résultat final. On doit couper les pointes prochainement. Donc, ça, je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc, à droite, je vous mets les photos. Le avant, à pendant, après, tu vois. Donc, ça, c'était en 2023. Et au milieu, ben, c'est 2022. Voilà, donc couper les cheveux. Par contre, on avait fait don de ses cheveux. On a reçu un courrier de remerciement. Donc, ça fait trop plaisir. Et voici le résultat. Clara rigolait parce que je disais, attends, je vais masquer ton visage quand même. Hein. Elle croyait que j'allais montrer son visage. Bon, bref, donc là, c'est le lendemain. Franchement, nickel, ça, ça coulait en naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec Clara, on vous fait des gros bisous. Portez-vous bien et nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et on n'oublie pas le petit commentaire, le pouce bleu. Thank you very much. Up to que le chéreux. Ciao, ciao. Eh oui, Clara, machallah. C'est devenu une ado, une jeune ado, 13 ans maintenant. Machallah, machallah. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. 3 fois.